Et nous sommes partis pour cette fois-ci une autre démo. La démo de The Cave. Alors moi c'est facile à prononcer cette fois-ci. Donc voilà, bonjour à tous, c'est Oliver Pasma et on va faire une vidéo découverte. Une vidéo découverte de The Cave. Un jeu qui a l'air étrange au premier abord, encore une fois. Et c'est Sega. Et voilà, c'est ce jeu-là qui a été fait par Sega. Bah, ça veut dire que la durée de vie est merdique. Alors appuie sur le bouton plus. Welcome. Don't let my sultry and mysterious voice startle you. For hundreds, nay thousands, nay tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they are looking for. Even fewer ever leave. Welcome to The Cave. That's me, The Cave. Yes, I'm a talking cave. Don't laugh. It makes dating hell. Besides, I have a really interesting story to tell you this evening. Okay, alors le jeu n'est pas en... It's a story les voix ne sont of pas en seven français. People and a glimpse into a dark place in each of their hearts. But be careful before you jump. Il n'y a pas grand chose sur l'écran. Alors la caméra qui part en bas, vers le bas, c'est tout. Ah, cette personnage dit vous risquez de ne pas aimer ce que vous aimez. Mais assez parlé de vous, c'est d'eux qu'on parle. Ah. L'aventurier, les jumeaux, le moine. C'est quoi ce truc? La scientifique? La voyageuse dans le temps? Le fermier et le chevalier? Bon, bah, moi je vais prendre le fermier. C'est une belle soirée, il recherche le grand amour. Ouais, on passe carrément au travers des personnages. C'est pied de biche. Attends, mais c'est Half-Life. Ils se sont pas cachés là, c'est Half-Life. Comment on prend le pied de biche là? C'est n'importe quoi. Mais merde, mais comment on frappe avec le pied de biche? On peut pas frapper? Ah, the monk. He seeks his master so he can become the master. It's a journey filled respire la paix, and enlightenment. Mais aussi le meurtre. Excusez-moi. Allez, quelques petites blagues, vous voyez. Bon, bah, on va taper. Essayer de taper avec le pied de biche, j'en sais rien. Ah, bah voilà. Enfin, taper plutôt. Arracher. Et c'est parti. Nous gambadons dans les prés avec un fermier. Enfin, dans les prés. Dans le cimetière, c'est un peu moins gai. C'est plus la petite maison dans la prairie. Alors, bah déjà on peut que sauter et attaquer avec le... Enfin pas attaquer, non, interagir plutôt, puisque... voilà. Ce geste veut tout dire. Voilà. En gros c'est dire qu'on peut interagir, et là on peut pas parce qu'il y a rien, normal. Là, on reste appuyé sur X pour transporter le bloc. Ça a l'air d'être vraiment le même style que le jeu qu'on a fait juste avant. Que Trin 2. Bon, bah, on va monter. Et si j'y arrive, le fermier saute tellement haut, hein, vous voyez. La gueule du fermier, quand même. C'est assez comique. Par contre, il y a des lags et c'est assez incroyable.
like it, you buy it. Just saying. I don't think that bridge has been safety tested with more than 2 people. Ah, il faut ramener les autres. Ah, je crois qu'il faut ramener les autres. Faut avoir 4 personnages. Right. He is on a quest for a sword of unequaled power and prestige. But will he find it before anyone else gets hurt? Ah, il n'a pas d'épée. Donc en fait, il est un peu inutile, le chevalier. D'après ce que je vois. Ils courent tous d'une manière bizarre. Voilà, là on est 2. Ah, on peut prendre 4 personnages en fait. Attends, on va prendre qui? On va prendre un personnage marrant. Oula! Oula, c'est quoi ce truc? D'accord. The scientist. Ok, next on the list. Je pense que je vais prendre les jumeaux. J'en sais rien. Ils sont 2, donc voilà. Ça présage que du bon. C'est des jumeaux ou c'est des siamois? Ah non, juste des jumeaux, je crois. Enfin, j'espère. Sinon, les querelles, là, entre siamois, ils sont obligés de vivre ensemble. Et... Ah bah tiens, ok. Bon, moi c'est bien fait, hein. J'ai cru que ça allait faire que je serais obligé de prendre un autre personnage, mais non. Puisque c'est les jumeaux, c'est normal, ils sont 2, voilà. Mais j'ai cru vraiment que ça allait être ça. On allait devoir quand même prendre un autre personnage. Que la console ne va pas nous dire qu'on est bien 4, mais qu'on est 3, parce qu'on a pris en gros 3 sortes de personnages. Donc la porte réservée aux employés, donc... Je sais pas, le fermier, c'est plus qu'un. C'est un employé lui. Avec son pied de biche. Ah, quoi, il veut pas. La gueule du fermier quand même, c'est énorme. C'est vraiment le. C'est Fireflame, on contrôle Fireflame les mecs. Alors, présentoir à la carte, employé de la boutique de souvenirs. Entrée de caverne. Ok, lui, je sais pas ce qu'il a. Souvenez, c'est un jeu assez spécial quand même. D'accord, non, je veux reprendre mon pied de biche. Moi, je sais pas trop à quoi ça sert. Faut peut-être venir tous ensemble. Peut-être qu'il y a un truc en bas. Activer, non. Bon, sinon, graphiquement, le jeu, bon, c'est moyen, mais bon. On peut comprendre ça, puisque c'est... Puisque c'est un jeu pas très cher, quoi. C'est un espèce de jeu indépendant, quoi. Voilà, tout simplement. Ça dégaine du chevalier, quand même. Oh, I hope you're not here to visit the cave, because we're closed. A gruesome and horrific accident has occurred, and there's no way we can open. No way. I shudder to even describe to you what has transpired. For the nightmares will forever haunt your every thought. Well, if you insist. When I came in, we had no trinkets to sell in the gift shop. Okay, well, You know... There is a way I could reopen, allowing you fine adventurers to partake in the unique experience that only the cave has to offer. I just need 3 small trinkets to sell. Just 3. Let me say that number again. 3. Take this giant novelty-sized key. It's cute, isn't it? Open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's treasure. C'est pas trop pour les nains, ça. Enfin, bon, bref. On va ouvrir la porte. Ah, décidément, on va faire que des jeux un peu médiéval fantastique ou quoi dans ces démos. J'espère qu'il pique pas dans la caisse, je crois qu'il y avait marqué. Ah bah tiens, mes compagnons, ils se sont téléportés vers moi. Normal. Je vais prendre quand même le... Ah, sur le gamepad, on peut voir
Ouais, on peut les sélectionner via le gamepad aussi. On peut voir nos personnages sur le gamepad. J'ai même pas fait gaffe depuis tout à l'heure. Bah, les jumeaux. Enfin, le garçon, il a l'air plus petit. Hein. Ah, ils font peur, les jumeaux, quand même. Et ça me fait penser à... comment, un jeu sur Wii. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, les jumeaux, ils me font penser à un personnage dans... Comment ça s'appelle? C'est la faucheuse, là, je crois. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais on contrôle la faucheuse. Ou on peut contrôler une fille aussi. Il y a des si à moi dedans. D'ailleurs. Bon, t'as quoi sert de tirer. Ah, peut-être que c'est le chevalier qui peut faire ça. Parce que c'est le plus costaud, non? Le plus robuste, le plus vaillant, le plus. Non, en fait, c'est une merde. Bon, bah. On va continuer avec lui. Ok. Oui, c'est médiéval et il y a des distributeurs. Ok, médiéval fantastique, distributeur. C'est totalement logique. Bordel. Déjà, le pied de biche de Half-Life, hein. Alors, boîte à fusil vide. Ah, mais ça fait quoi, ça? C'est assez étrange comme jeu. Je comprends pas ce qu'il fait avec son pied de biche, des fois. Donc... Le vieux puits brisé. Je sais pas à quoi ça sert de poser le pied de biche sinon. Bon voilà, vous avez vu l'intégralité de la démo. Je comprends pas, faut faire quoi. Que faut-il faire? Alors, moi je dirais qu'il faut faire... Faut servir... Non, bah, je sais pas. Bah, faut trouver un fusible ou une connerie, non, pour ça. Ah, attendez. Ah, il reste activé le levier. Enfin, il reste à... Il reste ici pour... peut-être qu'il faut que lui aussi, il active le levier ici. Ah, tiens, mais... Ah. Et donc là, je prends le chevalier. Le pro-chevalier, faut pas qu'il tombe, surtout. Oh, quel saut merveilleux. Ah, et donc maintenant, tout le monde peut passer. Ok, c'est vraiment un jeu à énigme. Encore une fois. Et je sais pas s'il y aurait des gunfights et tout, ça m'étonnerait. Parce que vu la dégaine de nos persos. D'accord, le big gunfight, il y a d'un seul coup un gros monstre. Normal. Donc je pense pas qu'il faut aller à gauche. Hein. Tiens, bah il y a une épée, ça peut. Ça peut interpeller notre cher chevalier. Ça peut l'attirer. Lui qui veut une épée. Ah d'accord, maintenant il y a une manivelle. Manivelle rouillée. Bah on va prendre le chevalier. Il va prendre la manivelle rouillée. Je sais pas. Par contre, le jeu il est pas fluide. Hein. C'est le truc que je remarque. Celui d'avant, il était dans les 30 FPS là. Mais celui-là. Waouh. Des fois il y a des lags. Donc on va prendre ça. Bon, c'est ton épée. Hein. Je sais, elle est un peu bizarre, mais bon. Je crois qu'il faut redescendre en bas. Et mettre l'engrenage là-bas. Parce que je pense qu'il y avait... ouais, ici. Le vieux puits brisé. Oh, et en plus, c'était ça. Oh, mais le big boss number one. Mais ça sert à quoi, en fait? Ah, ok, ça sert à... Adorable bambin. Ok. C'est pour gagner des images, je pense. C'est des bonus. Donc là, j'ai gagné l'image des jumeaux. Donc là-bas, avec l'épée, on gagne une image aussi, alors en appuyant sur le bouton X. L'image du chevalier, sans doute. Ah oui, en effet.
Le petit paysan. Ouais, c'est très spécial, ces images très simplistes. Bon, on va monter et... La boîte à fusibles. Ah! Ah d'accord, c'est con. There's no dying in the cave. At least not this soon. So much left for them to learn. Ah d'accord. Donc là, on est dans le mode entraînement, en fait. Donc on peut pas mourir. Levier. Ah, je sais. C'est pour tuer le monstre qui est passé en bas, je crois. Mais attends, ça l'a tué, là, ou pas? Enfin, j'en sais rien. Faudrait voir. D'abord, je vais ramener les orphelins. Les orphelins, les jumeaux. Qu'est-ce que je raconte? Qui ont du mal à monter. Bon, c'est d'ailleurs des orphelins, peut-être. Aussi. C'est la petite pirouette hein, pour se rattraper. Alors là, il y a la cloche. Ah, ok, en fait, on a enlevé pour que le monstre il se fasse piéger ici. On a enlevé la roche en bas. Non, en fait, ça sert à rien. Énorme, ça servit à rien en fait. Et genre, si je vais là. D'accord. D'accord. Je comprends. C'est un espèce de dragon, quoi. Il me fait penser au dragon dans Rayman Legends. La fosse pleine de pics. On peut rien faire avec. Mais à quoi ça sert le levier, là? On vient de voir ce qu'il fait, lui. Là, il a juste enlevé, je crois qu'avant là il y avait c'était le sol avant ici je crois. Maintenant il a enlevé le sol et on peut voir qu'il y a des pics. Alors je pense que c'est ça. On va repartir d'un coup et non. You know, the truth is, I can't let anyone die in here because of what it would do to my insurance rates. Mon assurance me coûterait trop. C'est vraiment c'est vraiment un jeu, on voit, faut pas le prendre au sérieux quoi, le jeu. Mais comment je peux prendre le fusil? Okay, I think they're just dying. Je crois qu'il meurt juste pour le plaisir maintenant. C'est con. C'est totalement con. Mais comment on change? Je peux plus changer? Ah si, c'est avec les flèches, purée. Je me suis planté avec l'ancien jeu, moi. Je pense pas que. Je pense pas qu'il aimerait trop ça lui aussi. On fait faire quoi en fait? Ok, bah là c'était l'image. Donc on peut revoir les images comme ça. Faudra juste en mettre en pause, peut-être aussi peinture rupestre. Voilà. Bon. Est-ce que le paysan peut tout faire maintenant? Le fermier. Attendez, peut-être que le chevalier là, il pourra actionner le machin en même temps que qu'il y a le monstre qui arrive, j'en sais rien. Ok, ça fait rien. Ça sert à quoi en fait? Il faut lui ramener de la bouffe. Peut-être lui ramener de la bouffe hein, à ce monstre. J'en sais rien. Faut mettre quelque chose sur les pics, peut-être l'attirer là-dessus. Mais... Ok, mon pied de biche. Je tiens à mon pied de biche, moi. Mais on peut rien faire. Bah là, on crève. Ah si, ou peut-être en activant le levier, vite. Non, c'est rien, je fais n'importe quoi. Like I said, there's no dying in the cave. C'est-à-dire, on va aller vers la droite. C'est quoi le crochet, là? Mince, j'ai failli tomber.
J'ai failli tomber. Bah, je vais vous dire un truc, je suis complètement bloqué. Ça fait un moment que je suis bloqué. Faire quoi, non? Je sais pas à quoi ça sert, les distributeurs aussi. Voilà, faut me poser un fusible ici, mais comment? Comment prendre le fusible là-bas? Je ne sais pas. Encore ça, c'est encore une image. Moi, je sais pas, on va peut-être monter. Attends, saut! Attends, j'imagine c'est ça en plus. Peut-être balancer le seau d'eau sur le fusil et je sais pas, ça va faire un court-circuit. J'en sais rien. On va tout essayer. On va vraiment tout essayer. Ah non, ou alors faut le mettre là le saut. Non, faut pas le mettre là. Ah bah c'était ça en plus. Ah les fourbes. Ah ils sont assez fourbes chez Sega des fois. Bon. Attends, je l'avais même pas vu le saut. Bon bah écoutez, pour l'instant c'est marrant comme jeu. C'est ça rame, mais c'est pas grave. Le framerate est sous-fauteux. Ah d'accord, et maintenant on peut se servir. C'est vraiment n'importe quoi quand même. C'est juste pour le fun comme ça ou... Ah ok, je sais. Ah je sais ça, faut l'emmener vers le monstre. C'est pour le montrer que c'est de la bouffe là, et on peut le planter sur le pic sans doute ça. C'est un truc qu'on peut planter sur le pic. Ah voilà, mais voilà, mais quel talent. Donc comme ça il va être piégé. Ah il faut qu'il y ait... Ah pourquoi il fait rien là? Ah merde c'est vrai, j'ai coupé le courant. Oh c'est con. Non non, faut recommencer. J'avais coupé le courant en fait. Bah faut revenir et... Il faut tout recommencer. Bon bah mon pied de biche, désolé pied de biche, mais je vais pas te prendre. Il y a plus important à faire là. Le fermier a plus important que s'occuper de son pied de biche. Ah purée, il est fort pour un fermier quand même, monter comme ça. C'est pas rien. Voilà, on va remettre ce truc là. En fait, c'était juste pour le fun, quoi. C'était juste pour faire des conneries avant. Ah, mais non, attendez. Faut que je le reprenne. Parce que j'ai pas encore. J'ai pas encore sorti le saucisson. Enfin, c'est bizarre, un saucisson qui sort. Qui sort d'un distributeur. Enfin, je sais pas. Enfin, si, puisque c'est un hot dog, mais... Alors, on va reprendre la pile et puis on va revenir en haut. J'espère que le hot dog va pas dépop. Ah, je pense pas. Ah, bon Dieu, le fermier. Il doit avoir mal au dos là quand même. J'arrive pas. Voilà, après on revient sur nos pas. Beaucoup d'allers-retours dans ce genre de jeu. Il faut pas péter un câble, il faut être calme. Est-ce qu'on peut sprinter? Ah ouais, on peut courir, je crois. En appuyant sur B, j'ai un pont qui va plus vite. On prend le hot dog. Bah, le bouton B sert également à lâcher les objets. Bah voilà. Le hot dog tout frais. Après je sonne à la cloche. Vite. Allez, on l'a eu.
Et voilà, là on est tranquille. D'où l'utilité de ce truc. Là je crois qu'il est tombé. Non, il n'est pas tombé. Ah non, il est toujours en haut. Avec un magnifique effet d'ombre. Attention, ah, il y a un nounours. Qu'est-ce que peut nous représenter un nounours? Grandir à la ferme. Ah, ça doit être le fermier, ça. Il y a beaucoup de trucs sur le fermier, quand même. Ok. Ah, c'est déjà fini. Emmenez vos amis ensemble, profitez de ce paysage sensationnel, rencontrez des personnages insolites et résoudrez des énigmes amusantes. Je lis très bien. Peut-être apercevez-vous la part d'obscurité qui se cache en vous. Le problème, c'est que c'est écrit tellement petit. Admirez la vue, explorez des endroits mystérieux, y compris une charmante fête foraine. Une fête foraine, foraine. Un paisible temple zen, une île désertique et un majestueux château médiéval. Ah bah voilà, médiéval. Allez-vous découvrir leurs surprenants et troublants secrets? Faites-vous tirer le portrait avec des dinosaures plus vrais que nature, de terrifiants monstres des cavernes, comme on a vu avant, ainsi qu'un modèle de missile balistique intercontinental avec des lumières rouges clignotante et une authentique tête nucléaire. Rejoignez le tour! Ouais. Pour tout vous dire, c'est un jeu que je vais pas acheter. Je sais pas, ça a l'air sympathique de faire des énigmes comme ça, mais... J'achète surtout les blockbusters, quoi. Donc voilà, la démo est finie, donc sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et on se retrouve pour la dernière démo. Nay, tens of thousands of years, people have come to me in search of what they desire most. Few find what they